Et là vous allez vous demander mais attends mais t'es debout? Bah ouais j'ai des jambes comme tout le monde, hein, écoute. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Tu vas bien sûr bien évidemment parler du Bottlefield Challenge. Enfin non non attends non non ça c'est l'ancien, excusez-moi. Aujourd'hui on parle du Bottle Cap Challenge. Voici ce qui reste après que j'ai tenté le mien. On va éviter de le faire. On va juste en fait réagir. Peut-être parce que j'ai pas d'originalité, peut-être parce que je veux faire des vues. Mais bon bah je pense que c'est l'occasion de le faire maintenant. Parce que pendant 2 semaines ça servira à plus rien. Donc écoutez là tout ce qui se passe sur Twitter, c'est qu'il y a plein de gens qui s'amusent en fait à se prendre en vidéo. Ça m'amuse à se prendre en vidéo et en fait en donnant un coup de pied. Attends j'essaie de pas casser. En donnant un coup de pied comme ça, d'un retirer le bouchon la bouteille. Et bah ouais en fait c'est juste ça. J'ai vu des trucs assez original, j'ai vu des gens qui le faisaient avec des voitures, j'ai vu des gens qui le faisaient en faisant des acrobaties, en faisant des saltos. Oh non. Non. J'ai voulu faire le con. Je vous montre. Pas pour vous mentir, mais vraiment, c'était le dernier gym que j'avais sans trou. Bah remarque, l'avantage, c'est qu'au moins, bah je suis aéré, il fait chaud dehors, on est tranquille. Bon bah on va continuer avec un trou dans le pantalon, c'est pas grave. C'est parti pour les Bottlefield Challenge. Non, pas Bottlefield, Bottle Cap. C'est parti. Il me reste que des jeans, ils sont complètement arrachés, c'était le dernier. Bon allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Ah ok. Bon, elle a le physique athlétique, hein, donc elle levait une jambe. Elle levait une jambe, c'est pas un souci, mais bon, moi, quand j'essaie de la lever, il se passe en général tout le temps quelque chose. Là, en l'occurrence, on a perdu un jean. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, là? Ah ouais. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ils l'ont fait carrément à deux, il a fait tourner comme quand on était chaud, là, quand on jouait dans la cour de récré. Hop. Et il a mis un petit coup de pied dans le bouchon. Pas mal, pas mal. Alors lui, lui va le faire. Lui, il a fait avec classe, voilà. Avec délicatesse, avec sûreté, propreté. Rien à dire. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'ils finissent de faire ce challenge, ils finissent genre en mode de... Tu vois, genre, je suis un ninja, genre, je vais te frapper, tu vois. C'est bon, t'as ouvert une bouteille, c'est bon. C'est quoi de sa grimace, là? Je le sens t'arriver. Je suis derrière. Non. Il va le faire. Ah ouais. Alors lui, je crois que c'est la pépite que j'ai vue pour l'instant. Mais vraiment, je crois que c'est le plus beau que j'ai vu. Ah, mais le mec, les deux, il a carrément fait un truc de hip-hop et tout. Je sais pas comment, honnêtement, déjà tenir sur une main, je sais pas comment il fait. Ouais, pourquoi pas, avec une canette de Monster. Au passage, je sais pas si j'ai déjà goûté ces canettes-là, mais je n'ai goûté une il y a pas longtemps, j'ai trouvé dégueu. Celles-ci, elles sont bonnes, mais par contre, les autres, vraiment, c'est dégueulasse. Ah, pas mal! Le mec carrément il a fait avec un saut de protéines, des compléments alimentaires quand tu fais de la musculation. En plus c'est un gros bouchon quand même, hein. Je sais pas comment il a fait. Elle va pas y arriver, elle va faire une conne, mais je le sens. Ah c'est elle a réussi. Fuck you Casper. Ready? Alors lui. Do this shit. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il se prend pour un ninja. Alright, missed that one. Alright, watch that. Practice, guys, practice. Ready? Il a la tête du gagnant, ça sentait qu'il allait faire une connerie dès le début de la vidéo. Ouais. Alors lui. Ah carrément les yeux bandés, mais ils sont dans un 9 niveau. Mais il a fait sans pression, il s'est même pas embêté à tourner ou à faire une acrobatie. Il a sauté, il a mis un coup de pied. Les yeux bandés. Mais pourquoi ils spawnent pour des ninjas? Putain, je comprends pas, c'est bon, moi je l'ai fait aussi, je m'en vante pas pour autant. Alors lui, il va lui mettre un penalty. Ah, même pas. Originaux. Il a PNL. Elle a fait la perdre en route, hein, par contre, elle, la bouteille. Hein.
Les meufs derrière sont plus fiers d'elles que d'elles-mêmes, quoi. Parce que j'ai remarqué un tout petit truc, mais bizarrement, quand on tombe sur des meufs qui se tiennent en truc de sport, brassière et compagnie, elles arrivent, c'est que des bouteilles, des bouchons de marque bio et des trucs jet. Alors que quand t'arrives sur des mecs ou des gros crevards, c'est des bouteilles de Ricard, de whisky, de coca. Qu'est-ce qu'elle a mis? Elle s'est bien ratée. Si j'ai bien compris, en fait, de bus, faut réussir à retirer le bouchon qui doit rester sur la bouteille, en fait. Mais elle, elle a carrément réussi. Ah, ils ont fait ces trucs-là, ça tue. Attends, regardez bien. What the fuck? C'est trop bien fait, je m'y attendais pas au début. Ah, ils ont géré. Ils ont vraiment un nu en particulier. On dirait vraiment qu'ils vont te frapper quand ils finissent le truc. Moi, ça me stresse là. C'est bon, j'ai pas envie de me sentir agressé, j'ai envie de voir un mec faire un truc stylé, c'est tout. On arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce blanc, en commentant, en partageant, etc, etc. Je compte sur vous les copains, ça ferait super plaisir. Voilà, vraiment pensez-y, il faut rentabiliser le pantalon. Essayez de rigoler, gardez sourire tout le long de la vidéo, mais je peux vous jurer que j'ai le seum. Ouais, je compte sur vous, pouce bleu, un petit partage, quoi pas si tu es nouveau, un petit abonnement. A très bientôt pour d'autres vidéos, c'était votre tonton Tacos, c'était Rafid.